Rentrons ici, nous pouvons parler librement. Oui, madame. Mon frère m'a fait confidence de la passion qu'il a pour vous. Et c'est, je vous assure, avec une tendresse extrême que je m'intéresse à votre aventure. Je vous conjure, madame, de me garder toujours cette généreuse amitié, capable de m'adoucir les cruautés de la fortune. Vous êtes par ma foi de malheureux gens l'un et l'autre de ne m'avoir avant tout cela prévenu de votre affaire. C'est ma mauvaise destinée qui l'a voulu ainsi. Mais, belle Marielle, quelles résolutions sont les vôtres? Hélas, puis-je former que des résolutions? Et dans la dépendance où je me vois, puis-je former que des souhaits? Point d'autre appui pour moi dans votre cœur que de simples souhaits? Que saurais-je vous dire? Hélas, je vous crois trop raisonnable pour exiger de moi autre chose que l'honneur et la bienséance. Hélas, où me réduisez-vous? Que saurais-je vous dire? J'ai de la considération pour ma mère. Elle m'a toujours élevée avec une tendresse extrême et je ne saurais me résoudre à lui donner du déplaisir. Mais faites, agissez auprès d'elle, tentez de gagner son esprit. Vous pourrez faire et dire ce que vous voudrez. Frosine, ma pauvre Frosine, voudrais-tu nous servir? Par ma foi, faut-il le demander? Je le voudrais de tout mon cœur. Ouvre-nous des Quand lumières. Je vois des gens qui s'entraiment et tout, en tout bien et tout honneur, que pourrions-nous faire pour ceci? Ouvre-nous des lumières. Ceci est assez difficile. Pour votre mère, il est tout à fait déraisonnable. Et peut-être pourrait-on le raisonner à transporter au fils le don qu'elle veut faire au père. Mais le mal que j'y trouve, c'est que votre père est votre père. Cela s'entend. Je veux dire qu'il ne sera point d'humeur ensuite à donner son consentement à votre mariage. Il faudrait pour bien faire que le refus vienne de lui-même et tâcher, par quelques moyens, de le dégoûter de votre personne. Tu as raison. Oui, j'ai raison. Je le sais bien. C'est la... Attendez. Si nous avions une femme un peu sur l'âge, qui fût de mon talent et jouât assez bien pour contrefaire une dame de qualité, j'aurais assez d'adresse pour faire croire à votre père que ce serait une personne riche. De 100 000 écus en argent, souhaiterait de se voir sa femme jusqu'à lui donner tout son bien, par contrat de mariage. Je ne doute point qu'il ne prêta l'oreille à la proposition, car enfin, il vous aime fort, je le sais, mais il aime un peu plus son argent. Tout cela est fort bien pensé. Laissez-moi faire, je viens de me souvenir d'une de mes amies qui sera notre affaire. Sois assurée, Frosine, de ma reconnaissance si tu viens à bout de la chose. Mais, charmante Marianne, commençons, je vous prie, par gagner votre mère, car c'est toujours beaucoup faire que de rompre ce mariage. Et n'oubliez rien, je vous prie, de ces tendres paroles, de ces douces prières, de ces caresses touchantes, à qui je suis sûre on ne saurait rien refuser. J'y ferai tout ce que je puis, et n'oublierai aucune chose. La main de sa prétendue belle-mère et sa prétendue belle-mère ne s'en défend pas fort. Y aura-t-il quelque mystère là-dessous? Voilà, mon père. Si vous n'y allez pas, mon père, je m'en vais les conduire. Le carrosse est tout prêt, vous pouvez partir quand il vous plaira. Que te semble-t-il de cette personne? Ce qui m'en semble? Oui, de son air, de sa taille, de sa beauté, ou même de son esprit. Là, là. Mais encore. À vous en parler franchement, je n'ai pas trouvé ici ce que j'avais cru. Ne croyez pas que ce soit pour vous en dégoûter, mon père, car belle-mère pour belle-mère, j'aime autant si elle a qu'une autre. Tu lui disais tantôt pourtant. Oui, mais c'était pour vous plaire. C'est bien donc que tu n'aurais point d'inclination pour elle? Moi? Pas du tout. J'en suis fâchée, car cela rend une pensée qui m'était venue dans l'esprit. J'ai fait, ici, en la voyant, réflexion sur mon âge, et j'ai pensé à redire de me voir marier à une si jeune personne. Cette considération m'en faisait quitter le dessein. Je te l'aurais donné sans l'aversion que tu témoignes. À moi? À toi. En mariage? Oui, en mariage. Écoutez, il est vrai qu'elle n'est pas fort à mon goût, mais pour vous faire plaisir, mon père, je me résoudrai à l'épouser. Non, je ne veux point te forcer ton inclination. Pardonnez-moi, mon père, je ferai cet effort pour l'amour de vous. Non, un mariage ne serait être heureux là où l'inclination n'y est pas. C'est une chose, mon père, qui viendra peut-être plus tard. Non, car si tu avais senti quelques inclinations pour elle à la bonne heure, je te l'aurais fait épouser à ma place. Mais cela n'étant pas, je suivrai mon premier dessein et je l'épouserai moi-même. Eh bien, puisque les choses en sont venues là, mon père, il faut vous découvrir notre cœur. Il faut vous révéler notre secret. La vérité est que je l'aime depuis un jour où je la vis dans une promenade. Lui avez-vous rendu visite?
Oui, mon père. Voulez-vous déclarer la passion et le dessein que vous étiez de l'épouser? Sans doute. Et cette fille correspond-elle fort à votre amour? Si j'en crois les apparences, je me persuade qu'elle a quelques bontés pour moi. Oh, mon fils, c'est ce que je demandais. Savez-vous ce qu'il y a? C'est qu'il faut songer de se voir marier à celle que l'on vous destine. Eh bien, mon père, c'est ainsi que vous me jouez? Bien, puisque les choses sont venues là, je vous déclare que moi, je ne quitterai pas la potion que j'ai pour Marianne. Ne suis-je pas ton père? Ne me donnes-tu pas le respect? Ce ne sont pas ici des choses où les enfants sont obligés de déférer au père. Je te ferai bien connaître avec des coups de bâton. Toutes vos menaces ne feront rien. Tu renonceras à Marianne? Non. Que me donne le bâton. Monsieur, qu'est-ce ceci? À quoi songez-vous? Je me moque de cela. Ah, monsieur, doucement! Me parle avec cette impudence! Je te veux faire toi-même, maître Jacques, juge de cette affaire pour montrer comme j'ai raison. J'ai conscience, éloignez-vous un peu. J'aime une fille que je vais épouser. Le pandard a l'insolence de l'aimer avec moi et de prétendre malgré mes ordres. Ah, il a tort. N'est-ce pas une chose épouvantable qu'un père veuille entrer en concurrence avec son fils? Laisse-moi lui parler et demeurer là. Eh bien oui, puisqu'il veut te faire pour juge, je n'y recule point. Cela est fait, il consent à ce que vous dites. Eh bien, votre fils n'est pas si étrange que vous le dites. Il dit qu'il n'aura... Ah, dis-lui, maître Jacques, que moi, il y a un seul là, il pourrait espérer toute chose de moi. Et que hors Marianne, je lui laisse la liberté de choisir toute celle qu'il voudra. Eh bien, votre père n'est pas si déraisonnable que vous le dites. Il dit qu'il ne fera fort. Il dit qu'il n'aura fort à vous avouer à ce qu'il vous plaira. Dis-lui, maître Jacques, que s'il m'accorde Marianne, je lui serai le plus soumis de tous les hommes. Voilà qui va lui mettre du monde. Le ciel en soit loué. Tout est conclu. Oh, mon pauvre maître Jacques, je t'en serai reconnaissant toute ma vie. Monsieur, vous avez qu'à parler ensemble. Il n'y a pas de quoi, monsieur. Tu m'as fait plaisir, maître Jacques. Et cela mérite une récompense. Va, je m'en souviendrai, je t'assure. Je vous baise les mains. Pardon, mon père, pour l'emportement que j'ai fait paraître. Cela n'est rien. Je vous assure, j'en ai tous les regrets du monde. Et moi, j'ai toutes les joies du monde à te voir raisonnable. Quelle bonté de me pardonner si vite ma faute. On oublie aisément les fautes des enfants. Ah, je ne vous demanderai plus rien, mon père. Et c'est m'avoir assez donné que de me donner Marianne. Comment? Je dis que je suis assez contente de vous, de la bonté que vous avez à m'accorder Marianne. Qui est-ce qui parle d'accorder Marianne? Vous? Moi? Sans doute. Comment? C'est toi qui as promis d'y renoncer? Moi, y renoncer? Oui. Pas du tout. Je t'abandonne? Abandonner? Je te déshérite? Et je te renonce pour mon fils? Ok. Et je te donne ma malédiction? Je n'ai que faire de vos dons. Suivez-moi vite! Qu'y a-t-il? Suivez-moi, vous dis-je, nous sommes bien! Comment? Voici votre affaire! Quoi? J'ai gagné ceci tout le jour! Mais qu'est-ce que c'est? L'argent de votre père que j'ai attrapé! Comment as-tu fait? Vous saurez tout! Mais suivez-moi, je l'entends crier! Au voleur! Au voleur! À l'assassin! Au meurtrier! Justice! Justicier! Je suis perdue! Je suis assassinée! On m'a coupé la gorge! Qui possède? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? N'est-il pas ici? N'est-il pas là? Qui est-ce? Arrête! Rends-moi mon argent, coquin! Ah, c'est moi! Mon esprit est trop...
troublée et je ne sais plus qui je suis, où je suis et ce que je fais. Hélas, mon pauvre argent, mon cher ami. On m'a privée de toi et puisque tu m'as enlevée, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie. Tout est fini, je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre. C'en est fini, je n'en puis plus. Je me meurs, je suis mort, je suis enterrée. N'y a-t-il personne qui veuille me ressusciter en me rendant mon cher argent ou en m'apprenant qui l'a pris? Que dites-vous? Ce n'est personne. Il faut qui que ce soit qui ait fait le coup qu'avec beaucoup de soin on a été pieleur. Et on a choisi justement le moment où je parlais à mon traître de fils. Sortons! Je veux faire quérir la justice et donner la question à toute ma maison. À servante, à valet, à fils, à fille, à moi aussi. Que de gens assemblés. Je ne jette mes regards sur personne qui ne me donne des soupçons. Et tout me semble mon voleur. De quoi est-ce qu'on parle là-bas? De celui qui m'a dérobé? Quel bruit fait-on là-haut? Est-ce mon voleur qui est? De grâce, si l'on sait des nouvelles de mon voleur, je supplie que l'on m'en dise. N'est-il point caché là parmi vous? Ils me regardent tous et se mettent à rire. Verrez qu'ils ont part sans doute au vol que l'on m'a fait. Allons, vite! Des commissaires, des archers, des prévôts, des juges, des gênes, des potences et des bourreaux. Je veux faire pendre tout le monde et si je ne retrouve mon argent, je me pendrai moi-même après.